Dans le coin à la gauche du gardien, c'est Gill derrière le filet, doit faire vite, mais on s'est fait enlever la rondelle. Le Bellegarde réussit à remettre à Vigneault. Vigneault vient de sauter dans la mêlée, là. Contourne le filet, le défenseur cherche à qui passer devant pour Bellegarde, et voilà le but! Thomas Bellegarde! Quel échange! Quel jeu de Benjamin Vigneault qui avait été le seul buteur lors du match de vendredi dernier dans le match. Ben là, il avait des ailes sur cette séquence. A contourné le filet 58 du premier 20. Bellegarde a même eu le temps de jongler un peu avec la rondelle. Là. La rondelle qui n'était pas à plat sur la patinoire. Il a faufilé la rondelle. Attention, rondelle qui est perdue. Dufresne par la rondelle. C'est Pellerin qui va tenter de s'échapper, mais on sait bien. On a bien refermé le jeu du côté des Huskies. On a rattrapé le capitaine des Tigres. Pellerin maintenant qui alimente Cormier. Ça mène à un contre un. Cormier, une feinte. Oh, quelle feinte! Son tir, voilà le but! Tommy Cormier! Oh, oh, oh! Ça, c'est tout un jeu! Du 78 des Tigres qui s'est moqué du défenseur. Tellé d'une feinte! Et tir partie supérieure. C'est 2-0. En moins de 30 secondes. Les Tigres doublent leur avance. Deux buts inscrits rapidement au grand bonheur des partisans. Les Tournoyers s'avancent, son tir s'arrête à la gauche du gardien. La rondelle qui est gardée là, à la limite par Gill en plongeant. Devant lui, le réussit à remettre vers Cournoyer. Gill dans la circulation, voilà le but. Oh, Gill est allé d'un tir précis. Et les Huskies réduisent l'écart à un but en fin de première période. C'est 2-1. Alors, Gill a vu l'ouverture de la ligne bleue. Ça a peut-être dévié sur fort. Gill qui a envoyé la rondelle vers le filet. Ouais, ça a touché Fontaine, j'ai l'impression. On va mieux revoir sur cette séquence. Fontaine est venu s'installer devant. Ah! Je peux s'ajouter rapidement du côté des Huskies. Voilà la Rose en contre-attaque. La Rose remet vers le filet. C'est bien fait. Tire. Kalaralegan! Belle poussée de Prichepov. Son tir du revers bloqué. L'attaque se poursuit. Kingsley pour Belzile. Chez les Tigres. Prichepov là, qui va finir par en faire des points. Là. Bellerin à la mise en jeu. Et en ce qui concerne, tire sur réception de Borosh, arrêt de Darvo. On tente le tourniquet, remise devant. Quel arrêt de Darvo! Avec sa jambière droite, il est venu voler un but. POA qui tente un dégagement, mais Borosh intervient. On a décidé de ne pas appeler. Donc, quel arrêt de Darvo qui étire la jambière droite sur Fontaine. Après avoir effectué un arrêt à l'aide de son épaule droite. Tire du revers de Fontaine à la pointe pour Gill. Pour Borosh, cercle droit, son tir bloqué par Péroy. Et là, on tente de remettre vers le centre. C'est Sullivan qui alimente Bellegarde. Seul devant le gardien, échappé. Il tire. Et la rondelle qui touche le poteau. Il a déjoué le gardien. Et la rondelle. Bien surveillé, mais réussi un bon lancer. Bellegarde qui s'échappe. Déjoue le gardien. Passe la rondelle entre ses jambières. Mais la rondelle. Attendu par trois adversaires. On tente une remise. Il y a hors-jeu retardement. C'est Gorionov maintenant qui prend la rondelle. Voilà Cormier qui s'amène en territoire adverse. Cormier devant pour Gorionov, ça tire. Et voilà le but. Diego Gorionov. 3-1 les Tigres. Quelle belle passe de Tommy Cormier. Du revers. Il a mis ça sur le quatrième de la saison. Donc ça, c'est un gros but pour les Tigres. Pas la meilleure période qu'on a vue ici au Colisée des Jardins depuis le début de la saison, mais. Attention dans la clave, c'est Fontaine. Son tir arrête du gardien, le retour. Belle arrêt d'Armo! Un tir à bout portant de Verdon. L'attaque se poursuit là, à la pointe du frein. Ces arrêts d'Arvo là. Un premier lancé, le retour de lancé. Wow, superbe! Parce que le deuxième, on va revoir ici vraiment si le deuxième. Ah oui. Péo Roy retourne à Cormier. Cormier cherche option. Passe à Roy. Roy tire, passe devant le filet. Arrête les gueules. On tente de pousser la rondelle vers le filet. Godette fait bien et Cormier vient reprendre dans le coin. Cormier pour Pellerin. Pellerin s'avance, tire, passe et voilà le but! Justin Gendron! Il était bien positionné à la gauche du gardien et cette fois ça réussit. Les Tigres font 4. Pellerin qui a bien lu la séquence. On s'attendait au tir chez les Huskies.
Godette qui est arrivé trop tard sur la couverture. Et Gendron qui marque. Est-ce qu'il a fait dévier avec son bâton, son nom? Son dégagement au centre arrêté par Gill qui retourne la rondelle chez les Tigres, rapidement ressorti par Kingsley. Kingsley arrive au centre, maintenant voit une ouverture. Là. Ça mène territoire adverse. Kingsley, son tir, voilà le but! Samuel Kingsley, partie supérieure, superbe but du défenseur des Tigres. Un tir précis dans la lucarne. Il surprend le gardien adverse. Quel tir! Et Kingsley aurait pu rejeter la rondelle profondément, mais a bien lu la séquence. On voyait que la défensive reculait. Plutôt saisi par Félix. Alors, arrêté. Revirement. Encore Prichepov laisse à la rose. Devant Prichepov. Tire! Et on touche le poteau! Gorionov qui tente de pousser la rondelle. C'est toujours libre près du gardien, là. Et la rondelle qui est dégagée. Voilà Larose qui soulève une passe pour Prichepov. La rondelle qui passe au-dessus de son bâton. Et là, Prichepov doit faire vite. Là. Fontaine qui vient le battre de vitesse. Deux contre un. Voilà Fontaine. Fontaine remet devant. Tire. Quel arrêt de Darvaux. Ouf, on n'aimera pas la là. Darvaux qui ferme la porte là, avec la jambière. On a tenté de faufiler la rondelle sur sa jambière, mais Darvaux a fermé la porte. Voilà Bull Rush. Son tir. Voilà le but dans la circulation. Et c'est 5 à 2. Lui inscrit un avantage numérique. 11-27 à faire. À la troisième période. L'écart est maintenant de 3 buts. On se bousculait devant le coin pour Perron, pour Bourrush. Bourrush, son lancé, bloqué par Péroy. Et là, c'est Bellegarde qui pousse sa rondelle pour lui-même. Gill l'accroche quelque peu. Ah, Bellegarde qui, du revers, marque. Thomas Bellegarde fait 6 à 2. Gill a tout tenté pour se retrouver dans le filet. Un but